Serena, je demandais, qu'est-ce que tu fais chez mon ex? Mais tu dis très bien ton ex. Serena, est-ce que tu es au courant que toi et moi ne sommes même pas mes mères? Tu dis que Eric c'est ton gars? Qu'est-ce qui ne va pas chez toi? Vance, tu n'as pas besoin de crier. La semaine prochaine, le week-end prochain en fait, il va venir demander ma main en mariage. Waouh! Pourquoi je t'appelle au téléphone, tu ne décroches pas? Attends. Si je n'ai pas décroché, c'est parce que ta soeur était là. Et je ne voulais pas la mettre mal à l'aise. Ça veut dire que tu m'appelles par rapport à quoi? Donc c'est pour ça que je t'appelle au téléphone, tu ne décroches pas. Tu m'as fait dormir à l'hôtel là-bas seul. Pourtant, tu sais très bien que moi je t'attendais. Ouais, ne parle pas fort. Tu sais que tu es la petite soeur de ma femme. Si c'est que elle est au marché, ne fais pas ça. Écoute un peu. Je t'ai dit, je regrette. Je ne sais pas ce qui m'a pris. Tu sais que nous les hommes, nous sommes un peu comme les moutons. Tu es la petite soeur de ma femme. Je ne sais pas comment ça s'est passé jusqu'à toi et moi, on s'est retrouvés sur le même lit. Ce qui s'est passé, je t'ai dit, essaye d'oublier. Essaye d'oublier. Essaye de passer à autre chose. Cherche quelqu'un qui a ton âge. Si tu regrettes, moi, je ne regrette pas. Et sache qu'à partir d'aujourd'hui, on va continuer ce qu'on avait commencé. Si tu ne veux pas, je vais te trahir, ma soeur. C'est dans quelle situation que tu vas me mettre maintenant? Quand tu dis que tu vas lui dire, tu vas dire quoi à ta soeur? Tu vas lui dire, tu vois comment tu vas utiliser quel genre de terme pour dire à ta soeur que toi. Je vais lui dire que sachant que c'est elle ma grande, que Caro est ma grande soeur, tu es venu me draguer. Tu m'as forcé, même tu m'as amené à l'hôtel, tu as c*** avec moi. Non, je ne t'avais pas forcé. Voilà le genre de mots qu'il ne faut pas dire. Je ne t'avais pas forcé. C'est à toi-même. On l'avait déjà bu. Tu as commencé à me caresser. Tu dis que quand tu caresses le mari de ta grande soeur, ça ne peut pas aider. Tu as commencé à me toucher. Non, toi, tu voulais qu'il fasse quoi? Mais maintenant, moi, je ne savais pas que tu allais prendre goût. Moi, je suis traumatisé. Tu es traumatisé. Tu n'es pas encore traumatisé. Là, quand elle cause avec toi, là, comment elle transpire? Parce que je ne sais pas. Si ma femme apprend un truc comme ça, que je sors avec sa petite soeur, même, je suis mort. C'est ton problème. C'est ton problème. On va commencer qu'on a terminé. Tes trucs que tu es dedans là, moi, je ne veux même pas entendre ça. C'est toi qui sais comment tu vas gérer avec ma grande soeur. Moi, il t'a dit, on va commencer ce qu'on avait terminé. Et tout ça, c'est toi. Maintenant, moi, j'ai pris goût. Je fais comment? Cherche un petit garçon de ton âge, non? Pourquoi? Je n'aime pas les petits garçons de mon âge. Ce sont les gens comme toi que moi j'aime. Est-ce que moi j'avais le prévu le truc? Bon, là maintenant, tu attends quoi précisément? Je te dis que tu donnes l'argent, pourquoi tu parles? Tu oublies ça. Je ne veux pas l'argent. Tout ce que je veux, c'est être avec toi. Tout ce que je veux, c'est vivre avec toi. Continuer la relation qu'on a commencé ensemble. Quand tu dis continuer, quand tu dis vivre, donc un jour, alors si on nous attrape, si quelqu'un nous voit, si quelqu'un. Je vais expliquer ça comment, même si j'ai fait toutes les écoles, je vais expliquer ça comment. En tout cas, je t'ai dit, si tu ne continues pas, je vais trahir tout à ma grande soeur. Et j'ai les preuves à l'appui. Les preuves. Je vais, n'est-ce pas, tout l'autre jour qu'on était à l'hôtel, tu vois que je suis tellement bête, naïve. Si tu ne sais de pas, j'ai dit, viens, j'ai les preuves à l'appui. Je montre tout à ma grande soeur. Et tu t'amuses même, je fais toute la famille voir. Donc, à toi de choisir, à toi de faire le choix. Réfléchis comme un grand. Tu es déjà un grand, mais réfléchis comme un grand. J'ai pris la chambre où toi et moi, on était partis pour 2 jours. Le deuxième jour, tu n'es pas venu. Aujourd'hui, là, toi et moi. Donc, comme je tourne mon dos, je pars là. Je t'attends derrière moi. Donc, tu viens me retrouver à l'hôtel. Et si tu ne viens pas, toute la famille, y compris ma grande sœur, sera au courant de tout. Je dis bien à 20h, tu ne me retrouves pas à l'hôtel. Eric, tu vas voir mon vrai visage. Voilà, je comprends. Voilà ta grande soeur qui est en train d'arriver. Voilà ta grande soeur. Eric, tous les jours je t'ai dit que tu dois bien te comporter. Hé, Serena. Ah, grande soeur.
Bon sang, grande sœur. Vous savez que c'est Rachel, je ne sais pas. Non, on était juste en train de me causer, elle me faisait comprendre que il faut que je me comporte un peu mieux avec toi. C'est bien fait. Tu as raison. Parce que moi, je parle dans la maison. Si ma femme me dit ça, il ne peut pas comprendre. J'ai dit à Eric que un homme, ça doit se prendre en main. Un homme, ça doit se battre. Parce que quand tu es là, tu ne sais pas que quand tu prends une femme, c'est que tu prends aussi toute sa famille. Tu as ta belle famille que tu dois gérer. Tu dois t'occuper. Voilà les sirènes là, comme ça, là, qui sont là, elles montent et descendent, elles n'ont pas grand chose à faire. Normalement, c'est toi qui dois prendre soin d'elles. Voilà. Tu dois t'occuper d'elles. C'est ce que tu dois faire. On est resté là. Et je t'avais aussi dit ton histoire là. L'histoire que tu n'es pas fort aux fesses là. Sincèrement, moi j'ai parlé de ça à toute ma famille. Tout le monde, je me connais ça. Déjà dit que non, c'est que je ne vais pas faire ça. Même ce que tu vends, t'amène chez nous. Tu viens te soigner parce que c'est vraiment moi, je ne supporte plus ça. Je ne supporte plus. Voilà. Et tout le monde chez nous connaît comment il ne cache pas les choses. Moi, il parle. Et quand ça ne va pas, je dis et je quitte tout ça. Donc, Eric, il faut te battre. Il faut chercher à t'en sortir dans la vie. Parce que sinon, ça ne va pas donner à moi. Moi, je ne vais pas supporter le genre de choses là. Tu vois? C'est tu ça que moi, Mieux disait, grande sœur. Voilà. Que comme il est là. Je suis venue te dire que non, ma famille se comporte comme ça, comme ça, comme ça. Toi seul sais comment tu vas mettre ton pied pour que tout le monde t'accepte. Et ma grande ne doit plus se plaindre de toi. Mm-hmm. Et t'as dit ça parce que je t'aime beaucoup. Mm-hmm. Parce que tu es mon beau frère chéri. Voilà. Que j'ai dit ça. Quand il reste comme ça, là, je me demande même qu'est-ce que ça me fait que je vienne ancrer dans ce genre de relation-ci. Hein? J'aurais dû faire comme toi, Serena. Rester à la maison, tant que je n'ai pas trouvé le bon mari, là, je ne sors pas. Ici, il m'a embourbé dans les choses ici, là, avec une personne qui ne voulait même pas se prendre autorité. Hein? Tu vois, là, il laisse là le muscle, mais il n'y a pas l'homme dedans. Vraiment. En tout cas, sincèrement, Eric, il faut revoir ton comportement. Il faut revoir ta façon de faire. Serena, tu as bien fait de venir cela. Oui. Tu comprends, non? De temps en temps, il faut venir voir ton beau-frère si tu parles. Dès que toi, tu vas parler, il va comprendre, il va faire non. Ce que tu lui demandes de faire. Et Eric, là où c'est là, tu dois faire ce qu'elle te demande de faire. Parce que c'est ma soeur. Et voilà. Comme tu vois, nous sommes même père, même mère, le même sang. Ce n'est pas ma cousine, c'est ma soeur directe. Ça veut dire qu'elle ne peut pas vouloir mon mal. Donc, tout ce qu'elle te demande de faire, tu dois faire. Tout ce qu'elle te dit de faire, tu dois faire. Parce que pour elle, là, voilà. Moi, je vais te tuer. Pour elle, là. Quoi? Oh, ma grande soeur. Pour elle, là. Tu as compris, non, Eric? Tu as compris, non? Tout ce que je te demande de faire, tu dois seulement faire. Parce que comme je dis là, c'est pour ton bien. C'est pour ton bien. En tout cas, trop parler de ces maladies. Okay. Quand toi tu es venu là, moi je vais aller préparer. Te laisse continuer à causer ton bon. Hein. Il faut d'accord. Bien tirer ces oreilles là parce qu'apparemment, là, nous, on parle beaucoup pour nous. Non, ça va, j'ai compris. Allez préparer ensemble. Le temps pour moi aussi, un peu de réfléchir. En tout cas, moi je vais parler. Je vais parler avec nous. Ok, grande soeur, avance. Je suis derrière toi, j'ai gagné. Mon cœur, il faut bien comprendre ce que ta belle soeur te dit. Parce que ce qu'elle dit, c'est ce qui est ça. C'est très important. Très important. Il faut que tu te prennes en main, que tu arrêtes d'être tout ce que tu es là. D'accord. Serena, je t'attends. Hein? D'accord, grande soeur, je viens. Eric, si tu ne fais pas ce que j'ai dit, ou alors ce que je t'ai dit, rappelle-toi bien. Je vais dire à ma grande soeur et à ma famille que tu as abusé de moi. Que tu as abusé de moi. Et je vais même dire que tu m'as violé. Tu vas aller pourrir en prison. Je m'en vais retrouver ma grande soeur. Donc réfléchis bien. Réfléchis bien. Ok. Quand on vous dit de ne pas chercher les petites filles, elles tombent facilement amoureuses. Ça, c'est quel genre de situation, ça, Seigneur? Ampi Signature Sarah est une structure de génie civil disponible pour tous vos projets de construction. Nos services vont de la reconnaissance des sites au clé à main, au conseil. Allant de la conception de tout ouvrage, avec des garanties de nos 19 ans d'expérience sur le terrain, contactez-nous pour la production architecturale, le suivi des travaux de réalisation, passant par la réalisation, le terrassement, fourniture de vos matériaux, réalisation du gros œuvre, sans oublier les finitions, l'architecture intérieure et extérieure, VRD, piscine, jardinage, jet d'eau, boucaro, tout ce qui concerne l'extérieur. Nous réalisons et nous arrivons à la remise des clés. Contactez-nous au numéro 655 24 28 91 et au 676 13 0064. Ampi Signature Star, les leaders de l'architecture.